mort de Daniel Levy, sa veuve, face à un nouveau drame, l'autre homme de sa vie, est parti. Sandrine Levy, la veuve de Daniel Levy, est de nouveau frappée par un drame. Après avoir dû faire face à la mort du chanteur le 6 août 2022, le 28 mai 2024, c'est son père qui est décédé. L'annonce de cette tragique nouvelle a été faite via Instagram par Cole Piper Music, la société organisant le concert hommage au défunt chanteur Daniel Levy. Sandrine Levy, épouse de Daniel Levy, a perdu son papa subitement hier soir. Nous sommes contraints d'annuler le concert de son mari, qui aurait dû avoir lieu le 3 juillet prochain au Casino de Paris. Que M. Aboukra, Youssef Gilbert Simon Ben Aziza, repose en paix au gang d'Eden, peut-on lire dans le communiqué. Les circonstances de la mort du père de Sandrine Levy n'ont pas été révélées. Un peu plus d'un an et demi plus tôt, c'est un cancer du côlon qui avait emporté Daniel Levy. De quoi laisser sa veuve dans une profonde tristesse. Le chanteur avait également laissé derrière lui 4 enfants, dont la petite Nessiel, née moins d'un mois avant sa mort. Depuis sa tragique disparition, Sandrine Levy ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait fait le 14 février 2024 pour la Saint-Valentin. Elle avait partagé une photo touchante de leur famille. Aucune limite, aucune frontière ne peut limiter l'intensité de ces sentiments si forts. Notre amour perdurera pour l'éternité.